Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Et c'est toujours, comme vous le savez, pour moi une joie de vous accueillir sur ma chaîne pour partager avec vous mes connaissances de l'oracle du Petit Lenormand. J'ai reçu beaucoup de messages fort agréables, fort encourageants pour le tirage de la semaine dernière, où j'invitais les gens à choisir un des trois paquets pour avoir un message qui leur est directement adressé, sorte de mini tirage personnel. Donc beaucoup d'entre vous ont montré un avis favorable, donc je vous annonce que je vais continuer à faire les tirages comme ça. Et vous pouvez vous aussi chez vous faire vos tirages de la semaine bien sûr, trois petites cartes ou deux petites cartes pour avoir une idée de l'énergie de la semaine, ce que la semaine a en réserve pour vous. Pour la rubrique de cette semaine, nous allons parler de la santé, les tirages de la santé avec le Petit Lenormand. Avant de vous expliquer comment ça marche, je tiens à préciser que le tirage de cartes ne remplace pas les conseils d'un professionnel médical et ne remplace nullement aucun traitement. Seuls les médecins et les professionnels de santé peuvent vous donner la meilleure solution pour votre état et pour améliorer votre santé. Dans le jeu du Petit Lenormand, la carte qui représente la santé, c'est la carte de l'arbre, carte numéro 5. Quand vous faites un grand tableau, le plus près l'arbre est du consultant, le plus il a de chances d'avoir des problèmes de santé. À moins que certaines cartes qui contiennent des arbres, comme la maison, le jardin, soit tout près de la carte principale de l'arbre pour atténuer son influence négative. Vous pouvez aussi faire un tirage sur la santé en utilisant la méthode de la carte focus ou de la carte chargée, comme je l'ai expliqué sur les sujets de l'amour. Vous retirez votre carte de l'arbre du jeu, vous vous concentrez dessus et vous posez votre question et vous allez mélanger l'arbre dans votre jeu. Quand vous vous sentez prêt, vous allez étaler entièrement le jeu et vous allez prendre les deux cartes qui arrivent avant l'arbre et les deux cartes qui arrivent après l'arbre. Vous avez votre tirage qui concerne la santé. Donc, comment lire ce petit tirage de 5? C'est que les deux premières cartes vont montrer la cause de ce problème de santé. Comme par exemple, si vous avez les poissons et les nuages, on sait que les problèmes de santé peuvent venir d'abus d'alcool avec les poissons qui représentent les liquides. Et les nuages peuvent représenter la cigarette, la fumée. Les deux cartes qui vont arriver après l'arbre vont montrer l'effet, les conséquences de cette cause. Si vous avez par exemple le cercueil et la faux, vous savez que vous êtes en danger et qu'il faudra peut-être faire une petite opération. Toutes les cartes qui sont à côté de l'arbre, surtout celles qui viennent avant l'arbre, montrent la cause de votre malaise. Par exemple, si vous avez l'ours, on sait que vos problèmes sont d'ordre gastrique et qu'il faudrait peut-être perdre un peu de poids. Si vous avez par exemple le trèfle qui sort après l'arbre, on vous conseille de manger un peu plus vert, de manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de salades, à la place de consommer plus de viande. Comme vous le voyez, le Petit Lenormand est un jeu extraordinaire qui couvre tous les secteurs de vie, que ce soit l'amour, que ce soit la santé, que ce soit aussi les finances. Testez cette méthode que je vous ai montrée avec la carte chargée et partagez avec moi votre tirage pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et aussi avoir les avis des autres. La question de la semaine me vient
encore d'une abonnée. Et si vous avez aussi une question qui peut servir à la communauté pour apprendre et mieux comprendre le petit Lenormand, je vous invite à la poster dans les commentaires au-dessous de la vidéo. Donc, la question qui m'est posée cette semaine est: est-ce qu'on doit avoir un espace dédié ou un sanctuaire pour pouvoir tirer les cartes, pour pouvoir faire des consultations? Alors, ma réponse est que ça dépendra de la personne elle-même, de la personne qui tire les cartes, du voyant, du médium. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un bureau où ils reçoivent ces personnes, cet espace dédié à travailler. D'autres personnes acceptent de recevoir des gens directement dans leur salon. D'autres personnes préfèrent louer un bâtiment ou un bureau pour pouvoir y travailler. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à consulter pour les gens, à tirer les cartes pour les gens, je n'avais que 13 ans. Et j'ai commencé sur la table de la cuisine. À l'époque, on avait, dans la maison familiale, on avait une grande cuisine. Et dans la cuisine, il y avait une grande table où on se retrouvait pour manger. On faisait aussi la fête avec les amis. C'était très convivial. Donc, quand je recevais les personnes qui venaient me voir, ils venaient directement dans la cuisine. Et la cuisine avait une porte d'entrée séparée de la porte principale. Donc, ça rendait un peu plus, comment dire, confidentiel leur arrivée. Donc, j'ai commencé à travailler dans ma petite cuisine. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est une pièce qui est conviviale, c'est une pièce où on partage beaucoup de choses. Si on veut, par exemple, offrir un thé, un café, c'est facile et ça détend un peu l'atmosphère. Ça enlève aussi le côté sérieux, mais aussi le côté dramatique d'aller voir un tireur ou une tireuse de cartes. Après cela, quand j'ai vu que le nombre de clients avec les années ont augmenté, j'ai commencé par louer un studio où je recevais des gens et j'avais commencé comme ça. Et maintenant, je consulte directement chez moi. J'ai fait un petit bureau à la maison où je peux recevoir les gens en toute confidentialité. Donc, pour répondre à cette question, tout va dépendre de vous, tout va dépendre de votre ressenti. Comme je le dis toujours, faites toujours confiance à votre ressenti. Si vous vous sentez bien dans une pièce, faites-le dans cette pièce. Quoique je déconseillerais quand même de faire des tirages de cartes dans votre chambre à coucher, parce que votre chambre à coucher, c'est un espace qui est réservé à votre détente, réservé à votre privé, on va dire. D'accord? Donc essayez de voir une autre pièce dans la maison qui vous semble attrayante, qui vous semble lumineuse et qui vous semble aussi confortable. Et que aussi la personne qui vient vous voir, elle se sent en sécurité, elle ne se sent pas en danger ou menacée. Voilà dans la partie fun de la vidéo hebdomadaire, c'est le tirage des énergies. Donc nous allons voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour nous. Et je vais faire un petit tirage et vous allez vous concentrer sur l'état que je vais faire. Donc voilà, on a nos petits tas de cartes.
Nous, vous allez vous concentrer et choisir si vous voulez le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. D'accord? Vous pouvez aussi en même temps poser une question fermée, c'est-à-dire une réponse qu'on va répondre par oui ou par non. Donc vous pouvez prendre un petit moment, vous concentrer sur votre question et choisir le tas 1, le tas 2 ou sinon le tas 3. Donc je commence par le tas numéro 1. Alors nous avons le monsieur, le cœur et les souris. Alors, ce que cette carte, ces trois cartes me montrent, monsieur, cœur et souris, ça me dit que que vous avez des inquiétudes, que vous avez comment dire, du stress, des émotions négatives par rapport à une personne qui vous a blessé. Vous avez le sentiment que cette personne a profité de vous et que, quand il était, comment dire, quand il a eu ce qu'il voulait, cette personne vous a tourné le dos. D'accord? Donc, il faudra quand même, pour ceux qui ont posé la question, est-ce qu'il va revenir? La réponse est non, avec les souris. Les souris, vous savez, ça dévore ce qu'ils doivent dévorer et ils partent avec leur butin et ne reviennent presque jamais sur les lieux de leur crime parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à manger. Donc, ils vont chasser, ils vont rôder ailleurs. Donc, si votre question c'est est-ce qu'il va revenir, la question est non. Si vous avez posé une question, par exemple, est-ce que cette personne est bien pour moi, il faudra quand même faire attention. D'accord? Ne donnez pas votre cœur au premier rendez-vous. D'accord? Donc, en règle générale, cette semaine, vous allez avoir des pensées pour un homme du passé. Une personne qui vous a rongé, une personne qui vous a aussi mis en colère, une personne avec qui vous avez encore une relation, il y a toujours un lien et qu'il faudrait peut-être penser à couper ce lien parce que tant qu'il est dans votre vie, il n'y a pas de place pour une nouvelle personne. Vous savez, c'est la loi de l'attraction, hein, quand vous réservez, on va dire entre guillemets, une place dans votre cœur à quelqu'un, c'est que même si la personne n'est pas là, mais son énergie est toujours là. Et comme la place est déjà prise, l'univers ne sait pas qu'elle doit vous renvoyer quelqu'un de nouveau. D'accord? Donc il faut faire le grand ménage, il faut faire le grand nettoyage et vous laisser partir cette personne, tourner la page pour que quelqu'un d'autre puisse venir. Sachez que vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de votre destinée. Et c'est d'après ce que vous pensez, c'est d'après ce que vous, la façon dont vous agissez, par vos paroles, que les choses se font. Donc, essayez d'aiguiller tout ça, essayez d'enlever les négativités, les personnes négatives, les personnes qui vous demandent trop de choses, pour vraiment créer une place pour une autre personne. Je passe maintenant au tas numéro 2. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu difficile pour tout le monde, hein? Parce que les cartes me montrent là. Donc là, on a le serpent, l'enfant et le cavalier. D'accord? Donc, le serpent, c'est toujours la présence d'une personne qui vous est néfaste. Je ne dis pas que la personne vous poignarde dans le dos ou a des envies de meurtre, mais cette personne, peut-être, elle vous empoisonne l'existence. Par rapport à leur action, par rapport à leur comportement, là avec l'enfant, on voit que c'est un enfant qui est gâté, qui agit comme un enfant gâté, comme un enfant prétentieux, comme un égoïste. D'accord? Et avec le cavalier, c'est dirigé vers vous. Le cavalier emmène les choses. Et toutes les cartes qui sortent avant le cavalier sont ce qu'il ramène comme message. Donc, cette semaine, il faudra faire très attention à ne pas faire l'enfant gâté, mais aussi à éviter les confrontations avec ce style de personnes qui s'en sort toujours à bon compte, qui sont toujours les innocents et que voilà, que le problème ne vienne jamais d'eux, mais d'autre part.
Donc, il faut laisser partir avec le cavalier. On dit de laisser partir ces personnes qui vous empoisonnent. Et peut-être avec l'enfant, faire, comment dire, rafraîchir la page. Rafraîchir la page, mettre des limites, on va dire. Imposer un peu votre discipline, votre autorité. Donc, c'est vraiment une semaine à mettre les choses vraiment en place. Si vous voulez profiter comment dire, d'une semaine tranquille, d'un moment tranquille. D'accord? Ce n'est pas vraiment une semaine qui est négative, mais c'est plutôt une semaine où on vous demande de faire des actions. D'accord? De faire des actions, d'aller de l'avant, de ne pas laisser les choses s'envenimer, de vraiment, comment dire, mettre les choses en ordre. D'accord? Et si vous avez posé une question, malheureusement, la question est non. La réponse est non. Les choses ne vont pas arriver comme vous l'avez pensé. Alors, on passe maintenant au troisième tas. Nous avons le vaisseau, la lune et la lettre. Alors, cette semaine, pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent. Il me semble que vous avez patienté pendant pas mal de temps pour avoir une réponse. Et la réponse arrive là, incessamment sous peu. Et c'est une réponse qui est plus ou moins favorable. Mais il faudra peut-être encore attendre avant de pouvoir. On vous dit oui, mais les choses ne se déclenchent pas tout de suite. C'est en train de se réaliser, c'est en train de se mettre en route, c'est en transit, on va dire. Mais il faudra patienter encore. Si vous avez posé une question pour oui, non, la réponse, elle est oui. Votre question, elle est oui. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui voudront peut-être changer de voiture ou essayer de voir des offres au niveau des véhicules ou refaire sa carte de métro. Parce que je vous dis ça avec la lettre et le vaisseau. Le vaisseau pour moi c'est toujours comme ma carte ancienne, elle est moderne. Le vaisseau représente pour moi la voiture, c'est un moyen de transport. Ça peut être avec les combinaisons, bien sûr, ça peut être l'avion, ça peut être le train. Et là, avec la lettre, le billet, ça peut me montrer que voilà, il y aura cette semaine quelque chose au niveau du transport, au niveau de tout ça. Peut-être aussi, il y a des personnes qui vont partir en lune de miel et qui pensent un peu à ce qu'ils voudront faire. Donc ça, c'est quelque chose à voir quand même. Et si vous avez posé une question, la réponse, elle est oui. Avec la lune, elle est oui. Avec le vaisseau, c'est encore un autre oui. La lettre, elle est neutre, certes, mais les deux autres cartes donnent la tendance que la réponse est oui. Alors, cette semaine, vraiment, il y a des choses aussi pour vous à mettre en place, il y a des choses à régler. On me dit que vous allez vous occuper de transport, de voyage, peut-être que vous travaillez dans les transports, que vous travaillez dans tout ce qui est agence de voyage et tout ça. Donc il y aura pas mal de choses pour vous qui arrivent. Et c'est une semaine qui sera, comment dire, ce sera la meilleure semaine pour vous pour le mois de février. C'est la meilleure semaine car il y a des bonnes énergies qui vous entourent, il y a des bonnes ondes. Donc voilà votre petit tirage. Pour cette semaine qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, si vous voulez commander ce joli jeu du petit Lenormand, le Alexandre Mustoc Lenormand, vous le trouverez bien sûr sur Amazon. Beaucoup d'entre vous déjà l'ont précommandé et je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité et pour votre confiance. Et ce jeu va sortir au printemps. Excusez-moi, je mélange un peu les mots. Au printemps. Et je pense qu'avant le 1er avril, on va commencer les envois. C'est la maison d'édition qui fait les envois. Et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Surtout si vous êtes en France, ce sera moins cher pour vous pour le port et tout. Donc vous trouverez sur amazon.fr. Je vous laisse le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et aussi, si vous voulez me consulter pour un tirage, je vous laisse le lien pour mon site internet. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine. Ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver dimanche prochain.
pour une nouvelle rubrique, pour une nouvelle question des auditeurs et aussi pour un nouveau tirage de la semaine, tirage des énergies de la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore pour votre soutien, pour votre présence et pour votre confiance. Et à la semaine prochaine. Au revoir.